Parce qu'une vidéo vaut mieux que 200 discours. Ouais, 200, ça fait peut-être beaucoup. Enfin, bon, bref. Alors, allons-y. Hop, donc, j'éteins tout. Donc là, c'est dernière version du Mega, dernière version du Nano. Ça marche plutôt pas mal. Ce que je veux te montrer, c'est ce que j'appelle le pas très réactif. Là. Bref. Hop, alors, je viens de brancher. Donc, toujours le même constat, effectivement, que le Nano joue pas le sample de départ. Voilà, donc ça, c'est qui sera peut-être réglé avec la synchro. Alors, donc, allons-y, gaiement. Donc, si j'appuie sur le bouton, l'important, c'est le timing, tu vas voir. Donc là, tac, j'appuie, tac. Ok, t'as vu, le temps qu'il a mis, ça fait un espèce de click first blood. Alors, honnêtement, tu vois ce que je veux dire, je t'embête pas pour grand-chose, mais c'est juste que ça le fait pas sur le deuxième. Tu vas voir que le deuxième, dès que c'est click, c'est parti, quoi. La blague, allons-y. Ah bah oui, c'est... pardon. Ok. Oh bah bien. Bah à la limite, tiens, tu vois, je m'étais dit je vais couper la vidéo, mais je me demande si ça vaut pas le coup que je te le laisse ça. Pourquoi il m'a fait ça? Non, parce que là ça marche nickel, tiens. Bon, on va recommencer sans causer. Bon bref, donc je sais pas si c'est flagrant, mais moi je sais pas pourquoi il y a eu le deuxième bug là. Bon, c'est peut-être après une histoire de contact. Le deuxième, moi je trouve, part un peu plus vite. Alors tu vas me dire, c'est pour flagrant, mais. Parce que tu vois, je vais te faire clic quand j'appuie en fait à la bouche. Fais. Clic. Et l'autre. Clic. Voilà, je sais pas si c'est parlant là comme ça en vidéo, mais moi je trouve que le deuxième part plus vite. Bon, bref, honnêtement, ça serait pas gênant. Après, c'est ce que je te disais, histoire d'être complet. On profite que ça marche à peu près bien. Bon, à part le bug de tout à l'heure, toi, je sais pas pourquoi. Mais bon, vu que je pose la main là, sur tout un tas de trucs. Ce que je voulais te montrer, c'était si je les enchaîne, en fait. Que l'idée, c'est qu'ils se coupent pas l'un l'autre. Tu vois? Alors, pendant tout ce temps-là, j'appuie sur le deuxième, hein, tu devais entendre le clic-clic. Et il partait pas. Ça veut dire que si je shoot deux cibles, en fait, il va me faire les samples derrière, les uns derrière les autres. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, voilà, parce qu'on en avait déjà parlé. Puisque justement, tu me faisais la remarque que valait mieux qu'ils se coupent les uns les autres. Donc, je sais pas si c'est dû à des. Enfin, que pour la période de test, pour l'instant, tu t'es pas occupé de ça. Ou si c'est que ça a généré un nouveau problème. Voilà. Bon, parce qu'après, je sais plus trop. Moi, je t'avoue que là, je me laisse porter parce que je sais plus ce que tu testes ou ce que tu testes pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça te donne les infos qu'il te fallait. Bon courage et puis à la prochaine vidéo.